Toujours réécouter les deux sons de cloche, évidemment, parce que vous, vous allez me dire forcément, les anti-judéoliens, ils ont forcément tort, et vous, vous non, avez forcément raison. De la présent. Factualité, allons visiter, emmenons toute la population visiter des parcs. Allons voir des éoliennes dans le champ des pas agriculteurs. Pas au centre. Ah oui, voilà, et ben. Allons voir les allons agriculteurs. Allons voir aussi des agriculteurs qui ont des problèmes avec les éoliens. Bien sûr. Allons voir la population, certains qui sont gênés par l'éolien, qui ont des problèmes. Donc, pour comprenons pour il y en a qui n'arrivent plus ça, à vendre leur maison. Comprenons il y en a pourquoi. Qui ont des problèmes. Il y en a qui sont malades. Il y a des animaux qui sont malades. Comprenons pourquoi. Parce que, encore une fois, revenons à des factualités scientifiques. Lorsqu'il y a des problèmes sur la dévaluation immobilière, sur des parcs éoliens, où à l'époque le projet n'était pas maîtrisé, où les éoliennes sont vraiment à 500 mètres des habitations et qu'il y a vraiment un impact fort, bien sûr qu'il va y avoir la dévaluation. Mais quand le projet est maîtrisé, et c'est ça ce qui change tout. C'est quand le projet il est co-construit avec de la gouvernance participative, représentative par les élus, quand c'est les élus qui choisissent le nombre d'éoliennes, leur hauteur, quand c'est les élus qui valident, et encore une fois, et ça c'est important, et je vais terminer là-dessus, c'est dans une le conseil municipal est amené à délibérer sur l'étude, on va consulter la commune, les communes limitrophes, les citoyens pour co-construire pendant 2 ans, soit jusqu'à au moins fin 2024, la population, les riverains, pour proposer un projet d'implantation. Ce projet d'implantation va être amené en conseil municipal pour délibération. Les délibérations des communes sont négatives, on remballe. Le projet s'arrête. Ah, ensuite, alors, c'est pas fini. Oui, quand le projet, ensuite, il est posé au service de l'État, instruit par les services de l'État. Les services de l'État, qui est la DREAL, et ça c'est dans le cadre de la loi, il y a une enquête publique. Dans le cadre de l'enquête publique, et cette fois-ci, il y a de nouvelles délibérations des intercommunalités et de toutes les communes sur 25 km à la ronde qui vont pouvoir se positionner. Et ensuite, si c'est accepté, il y a encore une délibération de la commune sur le bail emphytéotique qui permet de bloquer le projet. C'est-à-dire que la commune peut bloquer encore par délibération 3 fois. Et ça, c'est sans parler du fait que la représentation territoriale est directement dans la société de projet qui investit, développe et exploite le parc. Là, on est bretelles et ceintures. D'accord. Alors vous, ce que vous me dites dans les 5 étapes, la 4e étape, tout est ficelé, tout marche bien, une mairie qui est contre fait tomber le projet. C'est ce que vous venez de m'expliquer. Si le bail amphithéotique, il n'y a pas de délibération pour valider le bail amphithéotique et que la promesse de bail... Je ne sais pas ce que c'est le bail... Le bail de longue durée. D'accord. Si le bail de longue durée, au début, il y a une promesse de bail. Si cette promesse de bail n'est pas transformée en bail, on ne peut pas lancer la construction des éoliennes. Donc ça veut dire que c'est encore une autre étape. Je réitère ma question. Si dans les 5 étapes, la 4e, tout marche bien, la mairie, le conseil votent contre la dernière étape, ça ne se fait pas. C'est ce que vous me dites. L'éolienne qui sera implantée sur la commune. J'ai du mal à y croire. La commune. J'ai du mal à y croire.